dis, Tandiane, tu crois vraiment que je dois aller à cette cérémonie de la pleine lune? Ça me fait très plaisir que tu tiennes absolument à m'accompagner, Hector. Je sais que pour notre ami, t'as vu mon plumeau, ce sera une grande joie. Ce qu'il y a, c'est que j'avais prévu de... Que c'est gentil, mais inutile de prévoir quoi que ce soit, il a tenu à tout organiser lui-même. Et il n'apprécierait pas que tu t'en mêles. Oh. Tu sais, la cérémonie de la pleine lune est quelque chose de très important pour les Indiens. Elle marque bien sûr l'avènement d'un nouveau cycle lunaire, mais c'est aussi une occasion d'honorer la nature. Tu aimes la nature, Hector? Oh? Hector? Hé, Marcy, regarde! C'est une aile volante, portable, transportable et repliable. On a juste le temps de l'essayer avant que j'aille à la fête de T'as vu mon plumeau? Oh, bah, bah! T'as l'air contrarié. Ouh, bibi, 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 bibi. Oh, bah. Ouh, bibi, bibi, ouh, bi. Oula, elle a pas l'air contente. T'aurais pas fait une bêtise, toi? Ouh, bibi, 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 ouh, bibi, bibi. Ouh, bah, ouh, bah, ouh, bah, ouh, bah, ouh, bah. Ce sera pour une autre fois, mon copain. Ouh, bah. Allez, c'est génial. Avec ça, je vais voler comme un oiseau. Marsu, tu devrais pas descendre. Tu vas avoir des ennuis. Oh, oh. Tu voudrais l'essayer, c'est ça? Bon. D'accord, mais fais attention, c'est fragile. Oh, bah.